En ce 27 novembre 1095, une agitation particulière règne à Clermont, le Clermont-Ferrand d'aujourd'hui. Réunis dans une prairie à l'extérieur de la ville, une foule attend patiemment malgré le froid. Le pape Urbain II va prononcer un discours. Mais le voici qui s'avance et la déclaration qu'il fait dépasse largement le cadre du concile qui se tient à Clermont depuis 9 jours. Il est urgent d'apporter en hâte à vos frères d'Orient l'aide si souvent promise et d'une nécessité si pressante. Les musulmans les ont attaqués et se sont avancés jusque dans le territoire de la Romanie. Qui sont les frères d'Orient? C'est à l'Empire romain qu'il faut remonter pour comprendre les paroles du pape. Divisé en 2 ou 4e siècle, cet empire a vu sa partie occidentale complètement disparaître sous des frontières nouvelles. Mais un reste de sa partie orientale continue d'exister. Elle a toujours sa capitale, l'ancienne Byzance devenue Constantinople, son empereur et sa culture prodigieusement raffinée. Peu de choses relient encore cet empire calme aux états batailleurs de l'Ouest, sauf justement cette mémoire d'avoir formé ensemble le même grand corps. Et cela se traduit par une appartenance commune à la religion qui en est issue, le christianisme. C'est donc cette sœur chrétienne d'Orient, dit le pape, qu'il faut secourir car elle est menacée. Menacée par la religion musulmane, née en Arabie en l'an 622, oui et non à la fois, car l'avancée des fidèles de Mahomet est maintenant terminée. L'offensive dont parle le pape vient d'Europe centrale et porte le turban des Turcs. Ils sont musulmans aussi. Mais ce sont surtout de redoutables cavaliers que les frontières de l'Empire byzantin attirent invinciblement. Face à cette menace territoriale vieille d'un siècle, Constantinople a déjà souvent appelé au secours, et à chaque fois reçu en réponse d'Occident quelques bataillons de mercenaires. Les observateurs de l'époque auraient donc pu parier qu'il en irait de même cette fois. C'est pourtant là qu'ils se seraient trompés. Dieu le veut, Dieu veut que nous partions au secours de la chrétienté, s'écrie la foule. Et pas seulement celle qui a entendu le pape à Clermont, mais tout ce que les royaumes d'Occident, de la pointe de l'Italie jusqu'au Danemark, comptent d'individus en état de marché. Un an plus tard, Dieu le veut toujours. Des milliers d'hommes quittent tout, vendent tout, cousent une croix de tissu rouge sur leurs vêtements et prennent la direction de l'Orient. Que s'est-il passé pour qu'un appel à défendre les frontières d'un lointain empire dont on se moque bien au fond se transforme en guerre sainte? On vit mieux dans les terres d'Europe de l'Ouest depuis quelque temps. Les grandes famines et les épidémies ont disparu. Les techniques ont progressé, l'agriculture est plus productive, mais du coup la population est plus nombreuse et le territoire familial trop petit. Alors, les fils cadets rêvent de remplacer l'héritage paternel réservé aux aînés par des conquêtes lointaines. Mais ça n'est pas seulement ça. On est fatigué en Occident de guerroyer pour quelques lopins de terre, une colline de plus ou une rivalité de moins. Et l'appel du pape tombe à pic. Il fournit l'occasion de se battre pour une cause qui dépasse l'intérêt matériel. Il permet de rester un soldat, mais un soldat de Dieu. Alors, brusquement, défendre Constantinople n'est plus suffisant. Le but du voyage se teinte de la tradition du pèlerinage très importante chez ces gens croyants et il change de nom. On ne partira plus défendre des frontières. On ira 1500 km plus loin, là où Jésus a vécu, est mort et ressuscité, dans cette ville occupée par les musulmans depuis 4 siècles, Jérusalem. Mais Jérusalem est loin. Alors le ralliement a d'abord lieu à Constantinople, d'où était parti l'appel au secours. On y arrive en décembre 1096. «
Pour l'empereur Alexis qui règne ici et ses sujets, les chrétiens d'Occident sont sans doute de bons guerriers, mais aussi des gens peu raffinés, qui ne parlent pas le grec comme eux et dont les manières laissent souvent à désirer. Aussi, devant cette marée humaine, Alexis s'inquiète. Il n'attendait pas autant de secours et ne comprend pas cette nouvelle idée de libérer Jérusalem qui donne aux Occidentaux des regards de fanatiques. Pour le sage empereur, il est urgent de préciser certaines choses. Si les pèlerins veulent traverser son territoire, ils doivent d'abord lui prêter serment. Les Occidentaux avaient juré, en cousant la croix sur leurs vêtements, de n'obéir qu'au pape. Ils rechignent. Mais finalement, presque tous acceptent et l'on repart. On est en mai 1097. Six mois plus tard, des remparts apparaissent à l'horizon. Il y a déjà eu plusieurs batailles contre les cavaliers turcs et des milliers de morts. Mais la formidable forteresse qui se dresse maintenant n'a rien de comparable. C'est Antioche. Et à l'intérieur des fortifications, le vieil émir Yagisiyan est bien du même avis. Si sa ville tombe, aucune autre ne résistera. Alors, il a appelé à l'aide ses voisins. Redouane, roi d'Alep, Doukak, frère du premier et roi de Damas, Karbouka, puissant émir de Mossoul. Il les supplie de prendre les Occidentaux à revers. Mais Redouane et son frère Doukak se haïssent à mort, et chacun craint d'exposer sa ville à l'ambition de l'autre s'il s'éloigne. Karbouka, lui aussi, craint d'être pris à revers par ses nombreux ennemis. Et quand il arrive enfin, 9 mois plus tard, Antioche a cédé. Un traître a ouvert les portes, la ville est occupée et Yagisiyan a eu la tête tranchée. On dit que c'est une lance retrouvée dans un lieu saint de la ville qui a donné aux croisés le courage de briser le siège qui les menaçait d'être à leur tour enfermés dans Antioche. En réalité, les émirs turcs sont désunis. Chacun combat pour son propre petit territoire et n'oppose à la puissante chevalerie des croisés que sa petite armée personnelle. La victoire des Occidentaux est inévitable. On est en juin 1098 et la route de Jérusalem est ouverte. La ville compte 20 000 habitants. C'est une province du Caire. Mais juifs et chrétiens ont toujours pu s'y rendre librement en pèlerinage. Mais les chevaliers d'Occident qui arrivent en juin 1099, après 3 ans de marche et de bataille, ne voient pas les choses de la même façon. Quand les croisés virent Jérusalem, ils éclatèrent en sanglots de joie. Ils baisèrent le sol. Ils étaient enfin proches de la ville désirée pour laquelle ils avaient accepté souffrance et danger, famine et mort. Il faut comprendre que Jérusalem est à peine le lieu terrestre du tombeau de Jésus pour ses hommes, et encore moins une ville. C'est un nom, un mot magique. C'est la cité céleste. Et beaucoup n'ont pas prévu de rentrer chez eux. Mourir à Jérusalem, c'est avoir gagné la vie éternelle. Le 15 juillet 1099, l'assaut final est donné. Nos chevaliers postés sur le château se battaient avec ardeur, entre autres le duc Godefroy. Le duc Godefroy de Bouillon avait été l'un des plus valeureux combattants. Il est aussi de ceux qui, arrivés au but, n'oublient pas pourquoi ils sont partis. Tandis que les chrétiens faisaient un affreux ravage, marchant jusqu'aux chevilles dans le sang de leurs victimes, pillant temples et trésors, le duc Godefroy dépouilla sa cuirasse et, s'enveloppant d'un vêtement de laine, il alla se présenter devant le sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques semaines plus tard, l'État franc de Jérusalem est créé et Godefroy reçoit le titre de gardien du tombeau du Christ. Les survivants de cet incroyable voyage rentreront chez eux les yeux pleins de la lumière et des beautés aperçues en Orient.
À leur retour, les austères églises romanes leur paraîtront tristes, et ils les couvriront de peintures imitées de celles vues à Byzance. Leur vie aussi changera. Elle sera plus riche d'avoir rencontré une autre culture. De même, le commerce, la navigation en bénéficieront, car il faudra bien ravitailler ces états lointains créés de toutes pièces en territoire hostile. Avec la première croisade, l'Occident découvre le goût des voyages. Mais l'Orient arabe, lui, soumis à la pression chrétienne, réapprend la violence. Sous la conduite de grands chefs de guerre, il prend conscience de son unité et s'associe à la combativité turque pour constituer un puissant bloc musulman hostile à la chrétienté. Cette haine entraînera 8 autres croisades et la disparition de l'Empire byzantin. Ce qui ne manque pas de piquant quand on se souvient que tout cela avait commencé dans le but de lui porter secours.